Des ambulances calcinées, des murs noircis par les explosions et criblés d'impacts de balles, Bakhmout porte les stigmates des combats acharnés dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe tente de s'emparer de cette cité industrielle depuis l'été, épaulée par la milice Wagner qui continue sa percée dans le Donbass. Sous la pression ennemie, ses soldats sont à cran et avouent ne pas savoir combien de temps ils pourront encore tenir. On peut dire que chaque maison et chaque rue est couverte de notre sang. Notre artillerie ne parvient pas à étouffer leur artillerie. Nous manquons de munitions, nous manquons de drones professionnels qui pourraient effectuer des reconnaissances, savoir où se trouvent leur matériel et leur artillerie. Ils ont le sentiment d'être en impunité. 80% de la ville est déjà rasée. Depuis cette cave servant de camp de base, ce soldat opère un drone. Pour la première fois, l'un d'entre eux s'est écrasé dans la région de Moscou, abattu par l'armée. Ce tireur d'obus de mortier reste optimiste, malgré la situation très tendue sur le terrain. Bakhmout, la Crimée, tout sera à nous. Donnez-nous juste quelque chose pour tirer et montrez-nous où tirer. Signe de la tension qui règne à Bakhmout, les évacuations de civils se multiplient et sont désormais prises en charge directement par l'armée. 5000 personnes vivent toujours ici, dans le froid et sous les bombardements permanents. La Russie déclare qu'un drone s'est écrasé ce mardi à une centaine de kilomètres de Moscou, à proximité d'une station de compression de gaz. Les autorités russes ajoutent que 3 autres appareils de ce type ont été abattus ailleurs dans le pays. Le ministre russe de la Défense accuse l'Ukraine de tenter de mener des attaques de drones. Le gouverneur de la province touchée indique qu'aucune victime ni destruction au sol n'est à déplorer. Il ajoute que les services de sécurité et d'autres organes compétents se chargent de l'enquête et des suites de l'affaire. Plusieurs incidents similaires se sont produits ces derniers mois sur le territoire russe, mais c'est la première fois qu'un tel signalement a lieu dans la région de la capitale. Dans la matinée, à des centaines de kilomètres au nord-ouest, l'aéroport de Saint-Pétersbourg a été fermé mardi matin. Un objet volant non identifié avait été signalé. À l'occasion de la journée du défenseur de la patrie, le maître du Kremlin a également évoqué la prochaine mise en service du missile Sarmat, capable selon lui de déjouer tous les systèmes anti-aériens. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса Сармат с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования Кинжал и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования Циркон. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier n'a pas manqué d'exprimer son soutien à l'Ukraine un jour avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Vamos a enviar 6 Leopard 2 a 4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10. Es decir, pasar de 6 a 10 y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. Réunis à Bangalore en Inde, les ministres des Finances du G7 ont eux exhorté le FMI à fournir un programme d'aide à l'Ukraine. Dirigeants des banques centrales et ministres des Finances du G20 doivent se réunir ce vendredi. On va voir la carte, Slimane. Vous avez décidé de nous parler de ce qu'on appelle le Heartland. De quoi s'agit-il ? Oui, il me semble utile de revenir dessus parce que c'est une grille de lecture des relations internationales qui est toujours enseignée dans les états-majors anglo-saxons. De quoi s'agit-il ? Mackinder est un géographe anglais, c'était le père de la géopolitique moderne, qui au début du XXe siècle avait fait cette théorie que la masse territoriale du continent eurasiatique, qui fait 54 millions de kilomètres carrés, était donc le tiers des terres émergées. Que dans le cœur du monde, il y a la moitié, les deux tiers de la population humaine, 50% des ressources, et donc c'est la région la plus riche. Et que celui qui contrôle le centre de ce Heartland, de ce cœur, contrôlerait le monde. Or, à l'époque, au début du siècle,
du XXe siècle, c'était l'Empire russe qui occupait cette zone. Et ensuite, c'est l'Union soviétique. Et aujourd'hui ? Et maintenant, si on additionne, si on table sur une alliance Chine-Russie, cela ferait 26 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la moitié du continent eurasiatique, un cinquième de la population mondiale et une autonomie totale dans les hydrocarbures, le gaz, les matières premières. Bref, ce serait une puissance extraordinaire, sauf que l'alliance de la Russie et de la Chine n'est pas dans un but militaire. Elle est surtout, peut-être essentiellement, dans la dédollarisation de l'économie du monde. Ouais. C'est-à-dire enlever le dollar et le remplacer par des monnaies nationales. Évidemment, il y a toujours ce truc, et ça c'est un élément important, c'est ces fameux fonds souverains qui ont été confisqués ou gelés dans les banques centrales et les banques occidentales. Ces 600 milliards que Ursula von der Leyen voudrait tellement récupérer pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Alors il y a deux remarques ici qui sont intéressantes. La première, c'est que le fait d'avoir gelé des fonds souverains a suscité la méfiance des autres pays. Et si aujourd'hui vous avez l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc., qui commencent à se tourner du côté des BRICS, donc ce groupe de pays avec des économies émergentes, c'est parce qu'ils se disent « Oui, mais attention, si je dépose mon argent ou si j'ai affaire avec les Occidentaux, qui me garantit que je retrouverai mon fric à un moment donné ?» Et donc, vous avez là cette tentation de geler les fonds et même de les confisquer a commencé à jouer finalement contre les Occidentaux et probablement aura des effets à long terme. Nous n'avons pas mesuré encore toutes les conséquences. Mais pour revenir aux 600 milliards russes, alors fin de l'année passée, les gens ont commencé à se dire « Attention, ils sont où ces 600 milliards ?» Et puis, en cherchant, il y en a qui ont dit « Oui, mais non, il y a probablement pas. » Enfin, les banques américaines n'en avaient pas trouvé. Donc, on s'est dit « Probablement, il y a 300 milliards en Europe. » Et puis, ben non. Parce que les banques européennes n'arrivent pas à les trouver. Ils n'arrivent pas à les trouver. Et de nouveau, je cite Bloomberg, donc on n'est pas dans le poutinisme, n'est-ce pas? Effectivement, l'Union européenne a demandé à toutes les banques centrales de faire un inventaire des biens, parce qu'en réalité, on n'a réussi qu'à découvrir que 33 milliards. C'est-à-dire que cet argent qu'on pensait confisquer aux Russes, eh bien, on ne l'a même pas, apparemment. Et donc, on se retrouve, une fois de plus, le bec dans l'eau, avec des sanctions qui n'ont pas été réfléchies, qui ont été non seulement maladroites, mais sottes dans leur concept même. Pour commencer, j'aimerais que vous nous rappeliez vos sources, qui sont toutes occidentales, c'est ce que vous nous aviez déjà dit l'autre fois, et que vous fassiez un petit point sur vos sources. Je voulais étudier ce conflit, mais en évitant de tomber dans le piège de la désinformation et de la propagande. J'ai dit, ben, je vais exclure de mes sources tout ce qui vient de Russie, à l'exception de ce que dit l'opposition russe. Par ailleurs, de l'autre côté, je prends toutes les informations qui viennent de sources occidentales, officielles, c'est-à-dire des rapports de services ou des rapports officiels, de militaires par exemple, et ce que dit la presse mainstream. Je dois préciser que l'essentiel de mes sources viennent du monde anglo-saxon. Quand je compare avec les sources anglo-saxonnes et même ukrainiennes, que nos médias correspondent aux critères de conspirationnisme. Le conspirationnisme, c'est de créer des histoires à partir d'événements sélectionnés. C'est-à-dire que vous prenez dans un faisceau d'événements, vous choisissez ceux qui vous conviennent et vous les mettez dans une histoire que vous avez composée. Et ils nous servent que ce qui appuie leur narratif et
ils donnent un objectif, comme par exemple l'idée... J'ai cité l'Union européenne et je vous ai dit que l'Union européenne avait joué contre les tentations, pas tentations, mais tentatives des Ukrainiens de faire la paix. Et ce qui m'a frappé dès le début de cette intervention dans les réactions occidentales, c'était le rôle de l'Union européenne. Moi qui ai travaillé dans les institutions internationales, il est vrai que je n'ai jamais travaillé dans l'Union européenne, mais j'ai toujours pensé qu'une organisation multilatérale, multinationale, internationale plus que multinationale, internationale mais multilatérale, avait comme privilège de pouvoir se placer au-dessus de la mêlée, d'avoir un regard plongeant sur la situation et n'était pas obligé de venir se placer au niveau des intervenants, des parties dans le conflit. Et c'est avec ce recul, d'ailleurs, que les organisations internationales sont fortes, parce que justement, elles peuvent ensuite gérer le conflit d'une certaine manière, jouer le rôle d'arbitre, trouver des solutions pour une sortie au conflit. Or là, on a cette particularité que l'Union européenne s'est directement impliquée dans le conflit, de manière presque plus virulente que les Américains. Et c'est pour ça que j'ai cité ces deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de Bloomberg, est que vous savez que la Russie a été déconnectée du réseau SWIFT, du système SWIFT, qui est un système d'information interbancaire sur les échanges de paiement. Ce qui est amusant, c'est que les Américains ont déconseillé de le faire. C'est Wall Street qui a déconseillé les Occidentaux de le faire. Ils ont dit ne faites pas ça, parce que ça va créer plus de problèmes à nous que peut-être aux Russes. Et encore parce que les Russes, depuis 2014, ont travaillé sur un système parallèle, parce qu'ils s'attendaient bien, parce que c'est pas la première fois qu'on mentionnait cette option, et donc ils savaient qu'un jour ou l'autre, ça leur pendrait au nez. Donc ils ont travailler sur un système alternatif qui aujourd'hui fonctionne très bien avec la Chine. Et puis, il y a un autre élément aussi qu'on a oublié, parce que souvent on a dit oui, c'est les Américains ont essayé de provoquer l'embargo sur l'énergie. Et concernant les produits pétroliers, les Américains étaient beaucoup plus réservés que les Européens. Et c'est Janet Yellen, qui est secrétaire au Trésor américaine, qui avait déconseillé l'Union européenne de prendre des sanctions sur l'énergie. Ils avaient dit, si vous faites ça, parce qu'il y a eu des discussions sur l'énergie déjà en 2021. D'ailleurs, on pourra y revenir, parce qu'il y a un élément intéressant dans cette affaire, et Ursula von der Leyen a d'ailleurs confirmé ces derniers jours, que les sanctions ont commencé à être étudiées et mises au point en 2021, et non pas après le début de l'intervention. Et si vous avez fait attention, vous saurez que la préparation pour le sabotage de Nord Stream 2 s'est aussi faite en 2021, à un moment où précisément, je vous le rappelle, à la mi-décembre 2021, les Russes pensaient résoudre le problème de l'OTAN, de l'Ukraine, etc., par la voie diplomatique. Et avait envoyé d'ailleurs des propositions à la fois au secrétaire général de l'OTAN et au chef de la diplomatie américaine en vue de négociations sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Donc ça voulait dire que d'un côté, vous aviez à la fin 2021 les Russes qui essayaient d'activer les réseaux diplomatiques, alors que du côté occidental, on fourbissait déjà les armes économique, mais pas seulement, puisqu'on préparait d'ailleurs un sabotage. On prépare. Donc on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et manifestement, les Occidentaux n'avaient pas des idées très pures, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, cette notion de légitimité de l'intervention russe. Le conflit, est-ce qu'il peut s'étendre au-delà de l'Ukraine? C'est vraiment une question, évidemment, que les citoyens se posent. Il faut revenir à ce qu'on dit, à ce qu'a dit Vladimir Poutine le premier jour de l'opération qu'il a déclenchée en février. Il a dit qu'il y avait deux objectifs, la dénazification et la démilitarisation de la menace sur les populations du Donbass. Ça, c'est très important. Le motif de l'intervention russe
en Ukraine a comme seul motif, raison, les exactions, les tirs, les bombardements dont était victime la population du Donbass. C'est ça. Alors, on sait qu'il y a d'autres éléments dans la dispute, si on peut dire, entre la Russie et l'Occident. L'expansion de l'OTAN, le déploiement d'armes à la frontière de la Russie, etc. Et ça, c'est tout à fait réel. Mais ça n'est pas pour cette raison que les Russes sont intervenus. Mais, en revanche, il est très vraisemblable que si on arrive dans un processus de négociation, les Russes utiliseront le levier de leur victoire sur le terrain pour obtenir des garanties dans un autre domaine, c'est-à-dire dans le domaine stratégique sur la question de l'OTAN, etc. Quand on dit que les Russes sont intervenus à cause de l'OTAN, en fait, d'abord, les Russes ne l'ont jamais dit, et ensuite de ça, le piège de cette histoire, c'est que ça délégitimise totalement l'intervention. Il ne faut pas oublier que dans le Donbass, il y a eu entre 2014 et 2022 10 000 morts civils. Les chiffres des Nations Unies donnent 14 000, il y a 4 000 militaires ukrainiens et 10 000 personnes du Donbass qui ont été certainement actifs pour l'autonomie des régions, etc. Mais des civils du Donbass, a priori. Ces 10 000 personnes, eh bien, nous, d'ailleurs, on n'en parle jamais. Il n'existe pas. Et ceux qui n'en parlent pas, ils en parlent pas pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des personnes, des vies qui n'intéressent personne. Les Untermenschen, comme disaient les nazis pendant la guerre, c'est-à-dire des gens dont la vie n'importe pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle jamais de ces victimes. Mais pour les Russes, c'est leurs frères. Et c'est souvent leur famille. C'est les cousins, etc. Et pour eux, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont défendu et voulu l'application des accords de Minsk, dont on sait aujourd'hui, enfin on le savait déjà l'année passée, mais maintenant c'est confirmé parce que Mme Merkel, M. Hollande, Poroshenko et même Zelensky, il y a que quelques jours, ont dit qu'ils ont signé ces accords avec et sans avoir jamais l'intention de les appliquer. Donc, on voit que les Russes étaient de bonne foi dans cette affaire. Ils ont essayé de faire appliquer ces accords qui auraient donné un statut aux républiques du Donbass à l'intérieur de l'Ukraine, parce qu'ils n'ont jamais été séparatistes, mais autonomistes. Ça, c'est très important aussi. Et que si les accords avaient été respectés, eh bien, la paix serait revenue dans cette région. Mais comme on n'a pas voulu les appliquer, eh bien, et que les Occidentaux, finalement, s'en fichaient un petit peu de la vie des gens du Donbass, ça n'était finalement que des Russes, si vous me passez l'expression, et donc on a laissé faire ce massacre. Et c'est en mars 2021, alors que Zelensky a émis un décret pour la reconquête de la Crimée du sud du pays, qu'on voit une élévation des bombardements sur le Donbass. Et ça s'observe très nettement, les chiffres ont été... Avant l'invasion, hein, on est en 2021, on est déjà en 2021. Et de nombreuses organisations, l'OSCE en premier, puisqu'ils ont des observateurs, mais aussi l'International Crisis Group, qui est une organisation d'ailleurs financée par George Soros, ont noté cette augmentation. Et ils ont noté qu'il y avait des victimes civiles qui mouraient, des citoyens ukrainiens tués par le gouvernement ukrainien. Et ça a duré pendant tout, depuis mars, on voit très très nettement cette élévation, elle a été multipliée par 10 à peu près, tout au long de l'année 2021, et il y a eu une constance comme ça. Et puis, en février 2022, tout d'un coup, il y a encore eu une élévation, mais un multiple des frappes. Et pour les Russes, ça a signifié, là, il y a une opération qui est en train de se dérouler. Il y avait déjà le décret de Zelensky, il y avait cette intensification des préparations d'artillerie, donc tout indiquait qu'il allait avoir une nouvelle opération. C'est là que les Russes ont décidé d'intervenir. Sur le plan de la légitimité,
les Russes ne font qu'appliquer en réalité le principe qui est un principe des Nations Unies, qui a été adopté après la crise du Rwanda, qui autorise un ou des pays à intervenir dans un autre pays lorsqu'il y a risque de génocide ou une population qui est menacée, etc. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. On l'abrège généralement R2P, Responsibility to Protect, et c'est un principe des Nations Unies. C'est un principe. Et donc, ça c'est ce principe-là, c'est sous ce principe-là que la Russie a décidé d'intervenir en Ukraine. Que Vladimir Poutine ait en tête d'utiliser le succès opératif dans le terrain pour ensuite négocier autre chose, ça c'est tout à fait possible. Mais les opérations dans le terrain montrent que la concentration de ses efforts sont bien dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone du Donbass, autour des oblasts, enfin ex-oblasts aujourd'hui républiques de Donetsk et de Lugansk, de façon à enlever la menace qui pesait sur ces populations. Et que cela, dans les extrémités, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Et si vous regardez ce que les Russes ont laissé prendre aux Ukrainiens, parce que quand on vous dit de grande offensive ukrainienne, en réalité, il faut comprendre ce qui s'est passé. La mécanique, ça a été que les Russes ont décidé qu'ils allaient abandonner ces territoires, c'est-à-dire le territoire de Kharkov ici, à la fin septembre, enfin en septembre, pardon, de l'année passée, et ensuite Kherson en octobre. Un an déjà de cette tragédie au cœur du continent européen qui est en train de séparer l'Atlantique de l'Oural, qui est en train de tuer l'Europe pour 50 ans avec une classe politique et médiatique inculte, j'ose le dire, inculte, qui ne connaît ni l'histoire ni la géographie de l'Europe et du monde et qui aboutit à des contresens incroyables. Premier contresens sur la nature du conflit. Ils veulent faire de ce conflit territorial, local, ancestral, du Donbass, 3,5 millions d'habitants, qui se partagent entre la Russie et l'Ukraine, ils veulent en faire une guerre de civilisation, parce qu'ils sont hantés par un réflexe pavlovien des années 50 de la guerre froide. Et les néoconservateurs américains qui sont cette année, cette fois-ci démocrates, à la différence des républicains plus prudents, enfourchent la question des valeurs, mais ces valeurs ne sont que des intérêts. Car c'est curieux, les valeurs de l'Azerbaïdjan ne les choquent pas quand ils leur achètent du gaz. C'est curieux, les valeurs de la Turquie, les valeurs de l'Arabie Saoudite, les valeurs de quantité de pays ne les incommodent pas. Mais en revanche, la Russie est leur idée fixe. Ils ne veulent pas défendre l'Ukraine, ils veulent détruire la Russie, ce qui est une folie géopolitique. Alors, les enjeux ont changé. Quel est l'enjeu aujourd'hui pour l'Europe? C'est la montée du djihadiste, c'est la déstabilisation de l'Afrique, c'est la question climatique, c'est la question de la prospérité, du partage de la richesse, c'est la question de la science et des libertés. Et non, on nous ressort un vieux truc du fond des années 50 pour en fait défendre des intérêts. Ça c'est le premier contresens sur la nature du conflit. Il n'y a pas de guerre de civilisation en Ukraine. Il y a un conflit territorial localisé et la défense d'intérêts. Mais le deuxième point, c'est un contresens total sur le rapport des forces. Contresens sur le rapport des forces parce que les marionnettes que sont Madame von der Leyen, Monsieur Macron et Monsieur Scholz ne se rendent pas compte, ou se rendent-ils trop compte, qu'ils sont des nains. La France a toujours eu une politique de défense fondée sur la dissuasion nucléaire, qui ne vaut que pour son territoire. Elle n'a absolument pas les moyens de se projeter dans une guerre européenne de haute intensité. L'Allemagne est un nain militaire, et en vérité, ces trois niais
où ces trois larbins des États-Unis se rendent-ils compte qu'en fait, les États-Unis et la Chine se servent de ce conflit pour liquider l'économie européenne pour 50 ans. La destruction du gazoduc en mer Baltique par les Américains, sans réaction aucune des Européens, la liquidation de leur industrie, les délocalisations vers les États-Unis où l'énergie est 4 fois moins chère, la mainmise de la Chine, tout cela ne les intéresse pas. Comme des perroquets, ils répètent leur guerre de civilisation et mettent la tour Eiffel à la lumière de l'Ukraine. C'est pathétique. C'est pathétique parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au lieu de défendre l'Europe, ils la tuent, ils la suicident. Car l'avenir de l'Europe, c'est une coopération avec les ressources naturelles gigantesques de la Russie, avec sa science. Et c'est lorsque l'Europe occidentale et la Russie travaillent ensemble qu'elles sont toutes les deux fortes vis-à-vis du reste du monde. Là, elles sont prises en étau par la Chine et les États-Unis. Enfin, inconscient sur le rapport de force, par myopie sur les changements du monde multipolaire qu'avait deviné le général de Gaulle, et qui est là devant nous, les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Inde, Indonésie, Afrique du Sud, etc., ne partagent pas du tout la volonté américaine et occidentale. L'Afrique nous échappe, au sens que elle n'est pas d'accord avec cette vision occidentale, elle n'a pas tort, loin de là. Souvenons-nous des visites officielles de Dominique de Villepin, de Jacques Chirac, qui représentaient autre chose, parce qu'ils représentaient l'indépendance de la France. Bref, la Chine, l'Inde, l'Iran, l'Afrique, le Brésil sont du côté de la Russie. Il faudrait être un peu aveugle pour ne pas voir que cette guerre est une sorte d'impasse complète pour le camp occidental, sachant que pour moi la France est un pays qui parle au monde et qui n'appartient pas au camp occidental en soi, qui est partenaire des États-Unis lorsqu'il le faut, mais qui doit garder sa liberté de parole et d'action. Enfin, c'est un contresens total sur l'intérêt de la France, je viens d'en parler, parce que l'intérêt de la France, c'est justement d'être différente des autres. Et c'est comme ça qu'elle pouvait parler au monde. Et c'est ce qui a fait la popularité du général de Gaulle dans le monde, et la réputation, et l'influence, et les gains économiques. Et c'est au moment où le monde est multipolaire, comme il l'avait anticipé, que la France se recroqueville dans une sorte de docilité atlantique absurde, totalement contraire à ses intérêts. Alors que faut-il faire maintenant? Il faut essayer de convaincre les Français, diffuser ma vidéo, pour leur expliquer que notre pays doit d'abord compter sur ses propres forces. Et compter sur ses propres forces, c'est ne dépendre de personne. C'est relocaliser l'industrie, c'est faire un effort de science, c'est avoir une armée forte, mais au service d'intérêts supérieurs, la nation. Le deuxième point, c'est qu'il faut arrêter de donner des leçons aux autres, car je ne crois pas que la France soit un modèle des droits de l'homme, de liberté de la presse. Elle a été très mal classée au rang des pays de liberté. Et avant de donner des leçons aux autres, il faudrait peut-être balayer devant notre porte, surtout après la crise du Covid, où on a vécu l'abominable. Et puis, enfin, nous devons parler au monde et proposer ce plan de paix. Il est quand même inconcevable que ce soit la Chine qui aujourd'hui propose un plan de paix, la Turquie, Israël, et que la France ait disparu. Ce plan de paix, vous le connaissez, je répète toujours la même chose, ce plan de paix, c'est prendre en compte la réalité locale, c'est-à-dire donner l'autonomie constitutionnelle au Donbass, comme c'était prévu dans les accords de Minsk. C'est ensuite garantir à la Russie la neutralité de l'Ukraine, qui ne doit jamais rentrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, et est une zone tampon, puisqu'elle a été pour les trois quarts russes pendant 4 siècles. C'est ensuite organiser en Ukraine des élections libres sous l'autorité de l'ONU avec les casques bleus pour prévoir le retrait progressif des troupes russes et ainsi garantir à la Russie la neutralité de l'Ukraine, garantir à l'Ukraine le retrait des troupes russes. Ce sera un processus difficile qui ne passe pas par l'amateurisme, qui passe par un plan diplomatique qui s'appuie sur l'ensemble du monde, Chine, Brésil, Afrique, Inde, pour éviter la disparition au XXIe siècle de l'Europe puissance. Car le grand paradoxe de cette affaire, c'est que ceux qui se disent européens, eh bien, sont les premiers à suicider l'Europe. C'est incroyable de voir ça.
Et c'est pourquoi il faut convaincre les Français de ne pas écouter des médias complètement intoxiqués par une vision étroite, étriquée, incompréhensible, si ce n'est pour défendre des intérêts de certains en Ukraine, mais qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la France. Bonjour à chacun. Bonjour Vincent. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'attaque à Disney, jugé trop woke, trop progressiste. Oui, alors c'est mieux qu'une victoire, c'est une reconquête. La Floride vient d'annexer une principauté de bande dessinée, 11 000 hectares, c'est 4 fois Monte Carlo, c'est un peu moins que le Liechtenstein. C'est le royaume de Disney depuis sa fondation à Orlando dans les années 60. Walt Disney World profitait d'une forme d'indépendance, un statut de district spécial. Le parc d'attractions économisait des dizaines de millions d'impôts, mais s'occupait de tout, des routes, des bâtiments, de l'éclairage, de l'eau, etc. Hier, le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi qui liquide ce privilège. Alors, il arborait le sourire carnassier des méchants qu'on aime tant dans les vieux films de Disney. La Floride reprend le royaume en main, un conseiller nommé, le fisc va passer, les règles de construction seront désormais respectées. Le républicain frappe Disney au portefeuille, mais il remporte surtout une victoire culturelle, une bataille décisive, car Disney est le symbole du wokisme, sa forteresse. La guerre n'est pas gagnée, mais la route de la Maison-Blanche vient de s'ouvrir. Alors, Ron DeSantis, au passage, prend sa revanche sur la multinationale. Elle l'avait clairement défié. Oui, la querelle dure depuis 2 ans, depuis que le gouverneur a fait voter une loi sur les droits parentaux dans l'éducation. Elle interdit l'enseignement de l'identité de genre aux petits-enfants de la crèche jusqu'à l'âge de 8 ans. Ce faisant, DeSantis est devenu la bête noire des milieux progressistes. Mais 2 électeurs sur 3 le soutiennent et jubilent de voir les gens riches et célèbres d'Hollywood réduits à l'impuissance. Joe Biden condamne une loi qui met en danger les jeunes LGBTQIA vulnérables. Disney, qui vient d'engager la purge de son catalogue, signalant par un bandeau infamant que Peter Pan, les Aristochats, Dumbo sont d'un racisme insupportable. Disney qui vient de lancer la petite sirène noire ou Miss Marvel pour faire oublier la Belle au bois dormant qui ferait l'apologie du viol ou Blanche-Neige et les 7 nains aux stéréotypes consternants. Eh bien, Disney prétend faire abroger la loi. Son président a bien tenté de résister aux activistes hyper-woke de l'entreprise, mais il a été viré. Voilà, et Ron DeSantis contre-attaque et va leur faire payer cher. Oui, il a trouvé une martingale efficace. Il démasque le double langage de la gauche. Elle est censée lutter contre les multinationales et s'indigner de l'évasion fiscale, mais elle défend Disney qui prétend dicter sa loi aux dirigeants élus. Ron DeSantis est un excellent provocateur. Il a supprimé les masques Covid avant tout le monde. Les progressistes sont accusés de meurtre de masse. Mais l'économie de la Floride a rebondi. Son projet de loi anti-émeute assure l'impunité aux automobilistes qui renverseraient des manifestants, mais envoie en justice pour racket les syndicats qui laissent la manif dégénérer. Il ferraille contre un programme d'enseignement de l'histoire afro-américaine qui fait la promotion de Black Lives Matter ou de la théorie queer. Son style incendiaire n'est pas un handicap. Au contraire, il a été réélu triomphalement en novembre. C'est un Trump qui aurait fait Harvard et mènerait sa bataille sur le front culturel. Alors, il ne faut pas le dire aux enfants, mais les bêtises de Mickey peuvent faire élire le grand méchant loup. Signature Europe 1, Vincent. 4, c'est la première étape de sa tournée en Afrique. Emmanuel Macron arrive ce soir à Libreville, au Gabon. Oui, le président de la République participe demain à un sommet sur la préservation des forêts du fleuve Congo. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur l'agenda de l'Elysée. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. Si Emmanuel Macron est sur le continent, c'est aussi pour marquer la rupture avec la vieille France-Afrique, surtout dans une région où la fronde anti-français gagne du terrain, Arthur. Oui, pas de grand discours prévu sur sa stratégie en Afrique lors de cette tournée, sans doute pour ne pas donner l'impression de privilégier un pays plutôt qu'un autre. C'est depuis l'Elysée qu'Emmanuel Macron a annoncé avant-hier les orientations de sa politique sur le continent. Face notamment à la montée en puissance de la Chine et de la Russie, le chef de l'État plaide pour un partenariat renouvelé. Il faut dire que l'influence française sur le sol africain ne cesse de reculer, alors même que le sentiment anti-France lui progresse. Pour le chef de l'État, il faut donc s'adapter. Cela passe d'abord par une redéfinition de la présence militaire en Afrique. Après les retraits des troupes au Mali et au Burkina Faso, plus question d'implanter de nouvelles bases. Plus largement, l'objectif affiché désormais, c'est d'aider le continent à affronter une série de défis sécuritaires, sanitaires, démographiques ou encore climatiques. Cela commence donc à Libreville. Après un dîner ce soir avec le président gabonais Ali Bongo, Emmanuel Macron co-présidera demain un sommet qui vise à mieux protéger le bassin forestier du fleuve Congo, considéré comme l'un des principaux poumons de la planète. Arthur Delaborde, envoyé spécial.
spéciale d'Europe 1 au Gabon. Le président de la République ira ensuite en Angola, au Congo, Brazzaville, puis en République démocratique. Les relations franco-algériennes, je t'aime moi non plus, je m'en vais, je reviens, je suis venu te dire que je m'en vais. Et ça continue encore et encore. Alors voilà, je rappelle simplement que il y a eu Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie en fin d'été dernier. Il était reparti d'Afrique du Nord après avoir conjointement signé avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune une déclaration pour relancer les deux pays. Et puis il y a eu une exfiltration du militante Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. On va pas entrer dans le détail, mais enfin voilà, polémique effectivement avec ce retour d'une franco-algérienne depuis la Tunisie. Intervention des personnels diplomatiques, etc. Voilà. Et ce qui se passe quand même, c'est que là, très récemment, Alger vient en effet de décider la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires en France. Suspension de délivrance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le consulat d'Algérie en France indique que le laissez-passer est un titre de voyage délivré exceptionnellement à tout ressortissant algérien non immatriculé pour lui permettre de rentrer en Algérie en cas de perte, de vol ou d'expiration de son passeport. Mais dans les faits, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses, notamment la paralysie des reconduites à la frontière. Et ça a fait réagir le sénateur Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes. Bonjour Henri Leroy. Bonjour. Alors, expliquez-nous, vous avez réagi assez fortement en disant, voilà, alors donc, les Algériens disent ben, suspension des laissez-passer, et qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Leroy? Comme vous l'avez dit très justement, on a été faire la danse du ventre en Algérie pour trouver des accords bilatéraux. On en a trouvé, on s'est véritablement dévoué pour essayer de coller les liens entre l'Algérie et la Tunisie. Aujourd'hui, le président, pour l'affaire de l'exfiltration d'une Tunisienne d'origine algérienne qui est effectivement à Lyon, on dit « bon, ben, très bien ». Bah aujourd'hui, on suspend, sine die, c'est-à-dire sans, bah, c'est pas provisoire, on ne sait pas. Ouais. Laissez-passer consulaires sont suspendus et comme vous dites parfaitement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, il faut suspendre la délivrance des visas, car aujourd'hui, sans ces laissez-passer, on ne pourra pas reconduire en Algérie les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Je crois qu'il faut un parallélisme des formes. Ouais. Le président algérien est catégorique. Il nous bloque sur une disposition qu'il avait quelque part convenue tant avec le président qu'avec le ministre de l'Intérieur qui s'était rendu. Bah, on demande au ministre de l'Intérieur de suspendre la délivrance des visas. Alors, aux Algériens. Alors ça veut dire, Henri Leroy, pour être bien précis, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que en suspendant le laissez-passer, les laissez-passer consulaires en France, ça veut dire que si il y a un Algérien, ou clandestin ou illégal ou qui est sanctionné par une obligation de quitter le territoire français, on ne peut pas l'exécuter. On ne peut rien faire. Ben écoutez, voyez, vous avez bien compris, vous venez de décrire exactement la conséquence de cette suspension des laissez-passer. On est bloqué dans toutes nos dispositions administratives qui consistent à faire respecter notre règlement, à faire respecter nos lois et à demander à tous ceux qui perturbent notre vie quotidienne et qui sont issus de pays étrangers comme l'Algérie, eh bien, quand il y a une OQTF, il faut pouvoir les reconduire aux frontières. Aujourd'hui, c'est suspendu. Oui, c'est suspendu complètement. Oui, parce qu'on ne peut plus les reconduire à la frontière, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ou enfin dans leur pays ou autre. Ils sont refusés. Et vous pensez que ce serait une arme de dissuasion de suspendre les visas? C'est peut-être pas une arme de dissuasion, c'est une égalité de traitement. Ouais. Vous nous empêchez de faire quelque chose qui est nécessaire à notre sécurité, à la sécurité de notre pays, à la sécurité de nos concitoyens, vis-à-vis de gens qui ont enfreint nos lois, et donc nous faisons pareil, ben nous délivrons plus de visas aux Algériens, puisque c'est le parallélisme des formes, tout simplement. Et alors, à votre avis, sénateur Henri Leroy, vous serez suivi ou pas? Ben écoutez, hier on n'a pas posé la question, on était en audience au Sénat
Gérald Darmanin avec Olivier Dussopt sur la réforme des retraites, qui n'a rien à voir. Oui. Mais bon, on lui en a parlé en aparté. Je crois que le président de la République a réagi ou va réagir sur le sujet, mais il est temps finalement d'arrêter l'angélisme, quoi. Quand des gens se comportent de façon agressive et de façon irrespectueuse vis-à-vis de nos lois, vis-à-vis de notre pays, ben je crois qu'il faut en tout cas ouvrir des négociations certainement, mais appliquer en attendant, puisque c'est suspendu sine die, eh bien appliquer la même façon de faire pour essayer d'avoir une base de négociation. Tu me donnes ceci, je te donne cela. En fait, pour parler de façon assez claire, mais presque évangélique, il faut peut-être arrêter de tendre la joue gauche. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que la chrétienté, puisqu'on te dit, quand on te met une gifle, tend la joue gauche. Bah, on l'a tendu tellement que ça y est, on a été claqué. On a été claqué de la droite, de la gauche, à plusieurs reprises. Donc arrêtons, on n'a plus la capacité de recevoir sur la joue gauche. Tous, c'est un voyage de réconciliation. Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa tournée africaine. 4 jours, 4 escales, à commencer par Libreville au Gabon. Le chef de l'État copréside un sommet sur la préservation des forêts et du bassin du fleuve Congo. Mais derrière la bannière de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi et surtout la lutte contre un sentiment anti-français de plus en plus présent dans les pays d'Afrique. À Libreville, le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde. Plusieurs dizaines de personnes attendent leur bus sous une pluie battante boulevard du bord de mer et les réactions sont souvent optimistes sur la principale artère de Libreville lorsqu'on évoque la venue du président français. C'est une bonne chose. La France et le Gabon ont toujours de bonnes relations. Des paroles consensuelles alors que les forces de l'ordre quadrillent le secteur avant le passage du convoi du président gabonais Ali Bongo. Mais une fois le convoi passé, les autorités se font moins présentes et les langues se délient. Certains ne dissimulent plus un profond ressentiment anti-français. Je crois que si la France faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle ne rapporte pas grand-chose. D'autres estiment que la visite d'Emmanuel Macron vise surtout à soutenir le président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans 6 mois. Le timing n'est pas bon, en fait. Il aurait dû attendre peut-être après les élections parce que là, on va se dire qu'il vient adouber le président actuel. Pour protester contre ce qu'il qualifie d'adoubement, des opposants appellent d'ailleurs à la grève pendant le sommet sur la préservation des forêts auquel va participer le président. Le ministre britannique Rishi Sunak a passé mardi en Irlande du Nord à rencontrer des politiciens, des gens d'affaires et le public, afin de s'assurer un soutien à ce qui est désormais appelé le cadre de Windsor. Je suis aux anges parce que nous sommes parvenus à une avancée décisive avec l'UE. Nous sommes parvenus à un accord, le cadre de Windsor, dont je pense qu'il constitue une étape positive extraordinaire pour l'Irlande du Nord et qu'il représente, ainsi que la présidente européenne l'a elle-même déclaré, un moment historique pour que nous avancions et résolvions certaines des difficultés du passé. Selon le nouvel accord, toutes les marchandises circulant du reste du Royaume-Uni vers l'Irlande du Nord passeront par une zone verte, ce qui préviendra des formalités coûteuses. Les marchandises destinées à la République d'Irlande, qui est un membre de l'UE, seront soumises à des contrôles douaniers qui s'effectueront dans une zone rouge. Actuellement, le Parlement décentralisé, appelé Assemblée de Stormont, à Belfast, est vide. Le plus grand parti unioniste, le DUP, refuse d'y siéger au prétexte que l'ancien accord commercial menaçait la place de la province au sein du Royaume-Uni. Une autre préoccupation majeure du DUP est le rôle de la Cour de justice européenne dans les différents commerciaux. Le nouvel accord donne à l'Assemblée décentralisée la capacité de bloquer temporairement les changements dans la législation européenne, appelée Stormont Break. Est-ce que cela suffira ? Pour le moment, le DUP reste évasif sur le nouvel accord. Nous devons examiner le texte juridique, nous devons obtenir des conseils juridiques à ce sujet. Nous devons faire nos propres évaluations et parvenir à un avis réfléchi sur ce texte. Et comme je l'ai dit, j'espère que nous pourrons le faire dans un délai raisonnable. Au sud de la frontière, le gouvernement irlandais espère que l'accord apaisera les tensions et affirme que l'UE a fait des concessions considérables pour y parvenir. L'Irlande du Nord est un territoire unique et nous avons besoin d'arrangements uniques reconnaissant l'histoire et la géographie unique du territoire. Et l'Union européenne a fait beaucoup d'efforts pour faciliter un nouvel accord avec la Grande-Bretagne. Si ce nouvel accord commercial obtient le soutien du DUP et que celui-ci accepte de retourner à Stormont, cela marquerait une avancée historique dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le nouvel accord doit encore être soumis au vote du Parlement britannique à Westminster,
où certains partisans d'un Brexit pur et dur au sein du Parti conservateur de Rishi Sunak attendent de voir ce que fera le DUP. Mais même sans le soutien de ceux-ci, tout porte à croire que le cadre de Windsor sera approuvé. Oui, Alexis, alors il y a un grand exercice militaire qui a lieu actuellement dans le sud de la France, c'est l'exercice Orion. Il y a une question derrière ça. Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions en matière de défense ? Oui, alors l'exercice Orion, c'est 7000 hommes, hein, toutes les armées, terre, mer, air, qui sont mobilisées, des parachutistes, le Charles de Gaulle. C'est vraiment impressionnant à voir, c'est autour de 7. L'idée, c'est que la France serait le pays qui mènerait une coalition contre un pays qui s'appelle Mercure et une milice qui ne s'appelle pas Wagner, mais Tantale, qui envahissent l'Arnland. Et donc la France doit montrer qu'elle est capable de mener cette coalition. Et toute la question, c'est celle-là, est-ce que la France est encore capable, de faire des manœuvres de cette ampleur? Oui, c'est montré, et ces manœuvres sont prévues depuis 2020, avant la guerre en Ukraine. Et la deuxième question, c'est est-ce que le budget de l'armée et les moyens de l'armée française sont suffisants? Alors, il faut rappeler que le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron présentait la loi de programmation militaire aux armées avec un effort budgétaire de 413 milliards d'euros sur plusieurs années pour investir dans l'armée française, qui est censée être la 7e puissance militaire du monde. Mais les chiffres, ils sont un peu terribles. En 1991, la France avait 350 chars de combat. Aujourd'hui, on en a 220. On avait 700 avions en 91. On n'en a plus que 250. Et en termes d'armée, on compte 200 000 soldats pour 40 000 réservistes. Avec l'arme nucléaire, bien sûr, 290 ogives qui sont déclarées. La question, c'est est-ce que la France peut faire une guerre de grande intensité? Et de nombreux experts militaires disaient que non, c'est impossible, qu'on serait rapidement à court de munitions. On a vu quand la France a donné des canons César pour aider l'Ukraine, eh bien c'était 25%, un quart du dispositif français qui partait en Ukraine. Alors, le contexte fait que on peut se demander si ces investissements vont permettre de rattraper le retard, parce qu'il y a d'abord la guerre en Ukraine qui a changé la donne, avec une guerre sur le sol européen qui montre que l'Europe, qui était devenue une sorte de havre de paix, se transforme en coalition otanesque guerrière et montre qu'elle est capable. Et puis, il y a la hausse de l'armement au niveau mondial. C'est le Spiri, c'est un think tank qui est en Suède, qui explique que les dépenses militaires ont pour la première fois dépassé 2000 milliards de dollars pour atteindre 2113 milliards de dollars en 2022. Et donc c'est une augmentation énorme de 0,7% par rapport à 2020. Et la moitié des dépenses, ce sont les membres de l'OTAN. Et les cinq pays qui dépensent le plus, c'est d'abord les États-Unis, qui sont les leaders en termes de dépenses militaires, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et la Russie, qui représente à eux seuls 62% du total des dépenses. Alors, on peut se demander si, évidemment, la France a les moyens de ses ambitions. Une chose est claire, c'est qu'avec Emmanuel Macron, la France se réarme et met les moyens dans l'armée, dans un contexte de plus en plus incertain. Et cette manœuvre, Orion, justement, a pour but de montrer que la France peut être un pays leader en matière militaire, parce que en Europe, appelée de ses voeux la défense européenne, eh bien, sans la France, il n'y a plus de défense européenne. C'est l'armée française, fort de ses 200 000 hommes, et la dissuasion nucléaire française qui fait finalement la défense européenne.